D'accord. Donc, on va commencer la partie commutation. Donc, on a dit, nous, le un seul réseau. D'accord. Donc, on travaille les switches, on barre, nous la partie le HSRP, on barre notre le retour l'air. Donc, on active le mode rapide SCP. Donc, j'ai le switch. Donc, juste pour ça, je zoom. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le mode rapide STP? Hein? Pour activer le mode, ça. Donc, spanning free, déjà un petit. En bas, spanning free, donc, en bas, mode, déjà, t'alqa le mode PVST ou t'alqa rapide PVST. Donc, là, je m'achetarou rapide PVST. Ok? Donc, il y a pour activer rapide PVST. Déjà, on peut le vérifier. Faire la ligne config. T'alqa a déjà un padlet ou le spanning tree mode rapide PVST. D'accord? B. Ça, pour faire comme bien les suites. Je vais changer nom. Vous désactivez la recherche par DNS. B, on va chercher chez Gina. Donc, je n'en trouve pas. L'el, on est les ports. Les ports, ils ont les autres switches. Donc, ça va être chez nous les ports. On est par exemple le 2, le 5, ou on y. Le 6, le 8. Le 6, le 8. D'accord. Donc, interface, nous sommes l'orange. Orange, face Ethernet, mais nous connaissons le 2, le 5, 3, 4, 5. B, ok, donc nous sommes donc, interface orange, face Ethernet, 3, 5. Donc, je suis en train de faire le champ. Donc, spanning tree. Donc, link type. Déjà, je suis en train de faire. Donc juste une idée, il faut le point au point ou le share, share, c'est-à-dire on va partager. Donc c'est pas le cas, donc je n'aime le point au point. Donc on est à voir maintenant, je n'aime pas ce chose sur la partie l'or. Donc il y a normalement, pas que ma suite, tu as fait dans le FTP, pas que nous avons directement le 8. Mais pas de problème, je suis dans le range interne. Nous entrons, face internet, 0 à 8, d'accord. Spanning tree, link type, point to point. Ok? Normalement, je dois aller clear pour effacer ce qui était fait par l'SCP, le PVST, le cam interne, mais à la pactrice, ça ne marche pas. Donc, tu me chier le GNS. Ok? C'est bon? Ok. Ben, nous avons un ou un sage. Donc, WR, tu as le copier en ligne config, setup config, retry. Je vais te dire que tu as le fichier spanning tree, je suis setup config. Donc, je vais le switch l'air, on a le même chose. Donc, je vais le switch le même. Donc, là, il y a host name, switch 2, node IP, domain, lookup. Au Bichinji, nous avons le même chose. Donc, je vais tout d'abord donc, activer Rapid PVST. Donc, Spanning Tree, Mode, Rapid PVST. En bas, je vais contrôler les interfaces. Donc, je vais contrôler les interfaces. Donc, je vais vérifier les numéros. Donc, le 1, le 3, en bas, le 7, le 8. Donc, je me coule loulou. Donc, spanning tree. Donc, link type, point to point. Nous rejouons. À la chatre, il y a 4 ou 5 l'année. 4 ou 5 ou 6. Donc, je vais juste faire ma farde marre. Ok? Il y a un range. Il y a un pour aller. Mais le 1 ou 3. Ok? Maintenant, si tu as 1, 2, 3, 4, 5, je vais faire ma farde marre. Interface, range, face Ethernet, mais 7 et 8. Donc, on a le même
Donc spanning tree, Anctype, donc point to point. C'est bon? ونسجل. توا نمشي للسويتش الاخر. دونك ميم ترافاي شونج لو نو. Après, je désactive la recherche. Donc, maintenant, on active le mode Rapid PVST. Et on vérifie les numéros de port. Donc, ça va être pareil. Donc, j'ai un mot de rage. Donc, maintenant, 3. On met le 7. Jusqu'à 8. Ok? Et on enregistre. Anna. Hein? Juste pour comprendre cette étape. D'accord? Ok? Donc, on a un qui m'a dit donc, on configure une fois pour toutes. Donc, pour ces ports, port fast et la protection de PDU. Ok? Donc, je vais retourner ici et je vais faire ce que a mentionné donc, votre ami. Donc, je vais faire l'orange, Fardmar. Donc, fast internet de 4 à 6. Donc, spanning tree. Donc, port fast. Ok? Donc, ou par défaut, il va prendre les informations par défaut. Donc, après, donc la protection PPDU. Donc, il y a déjà Kinamo Spanning Tree. Il vous affiche que vous pouvez activer PPDU Guard ou Guard uniquement ou Link Type qu'on a déjà fait. Voilà Port Fast, voilà les vilains. Si on veut changer par exemple la priorité. Donc, PPDU Guard, donc, et est-ce que tu vas l'activer ou la désactiver? Donc, enable. Ok? Et j'enregistre. Donc, d'où, si par exemple vous voulez changer d'emplacement ou effectuer une commande, tu peux utiliser le d'où. Ok? D'où il va le faire. Ou tu peux le faire. Donc, on y a ce chai. Donc, est-ce que Michel, le port face ou le PDU garde, c'est un peu le les ports et les machines, le couche d'accès. Ou on a les équipements d'utilisateurs. Ok? Interface, range, face internet de 4 à 6. Et on va répéter le même travail, port fast. Et spanning tree, donc PPDU guard enable. Ok? Donc, est-ce qu'il y a une question? Hein? Ça crotte. On n'a pas activé, j'ai pas activé encore les interfaces. Donc, je veux tester uniquement la partie commutation. Ok? Ben. Est-ce que c'est bon la partie. Donc, spanning tree. Donc, je vais faire quoi exactement maintenant? Donner des adresses pour tester. D'accord? Donc, on a cette adresse, 192.168.1.0/28. On doit réserver deux adresses, une pour cette interface et une pour cette interface. Donc, 1 et 2, on va commencer à partir de 3. Et en plus, on doit préparer l'adresse virtual router. Ok, donc l'adresse du virtuel router, donc on peut donner point 3 ou l'avant-dernière. Donc normalement, slash 18, 28, donc pas combien 32, d'accord. Donc, slash 28, quand est-ce le pas 16, c'est pas 32. Ok, 16. Donc, 16. Donc, l'adresse de diffusion, point 15. Donc, on peut donner point 14.
je peux chanter à l'adresse de diffusion, bien sûr. Ok? C'est bon? Donc, Hedi, ça va être la passerelle. On n'a pas parlé encore de HSLP, mais quand même, l'IPC, il va se configurer une fois pour toutes. Mais il compte juste une adresse IP ou un masque cacao. Mais rire, elle passerait. Je teste juste la partie commutation. Ok? Je n'ai pas activé encore les interfaces vers les routeurs. Mais quand même, je vais faire un peu de mal. Ok? C'est ça. Donc, je vais commencer à partir de 3. Donc le masque c'est combien? Donc 240. Non. Quand on a mis le passerelle, il y a un tel virtuel route. Pareil ici. Donc ça va être 0.4. Et la même passerelle. Point 5. Allez. Et il t'a dit qu'il y a une place hors. Aïe, s'il vous plaît, Nars. 5. Donc, on est 6. Et finalement 8. Et toujours la même passerelle. Donc on doit tester. باش اني انا مش نجي نعمل هاش السلبي وما عرفش المشكلة ايش كو ها باهيش غالطة اما نحنا نفو فيغ لو هاش السلبي اوكي سا مارش با كوريكتمون سا فونكسيون با كوريكتمون بي دونك اون فا تيستي سا مارش Et c'est bon. Donc, c'est successful. Donc, de tout l'IPC. OK? Donc, la partie commutation, donc, elle est bien faite. Donc, on peut vérifier. Donc, spanning tree. On utilise les show. Donc, show. Donc, show spanning tree. On peut faire, donc, voir c'est quoi le type de spanning tree. On peut voir les interfaces où on a activé le spanning tree. On peut faire summary pour voir donc résumé sur le port, l'état de port. Donc ici, donc il vous affiche que donc le mode c'est spanning tree. Donc aussi, je vous ai demandé de l'exercice, dans l'exercice de changer le route bridge. Hein. D'accord. Donc, on n'a pas fait encore. Donc, on n'a pas d'autres vilains. On a uniquement un seul vilain, le vilain 1. Donc, c'est pour cette raison on n'a rien. OK. Donc, tous les ports sont actifs. OK. D'accord. Donc, je vais changer le route bridge. On a dit quoi? Qui va être le route bridge? Heda, ok. Donc, je vais lui donner priorité 4096. Donc, alors, comment je fais? Show, pourquoi show? Ben, spanning tree après.
Vilain 1, parce qu'on n'a pas d'autre vilain que vilain 1. Ok, priority. On prend tout et on met la valeur. Ok, c'est bon. Donc, show spanning tree. Donc, et il m'affiche que is bridge is root. Ok, c'est bon. Déjà, tous les ports, donc, ils sont dans, dans le rôle désigné. On a dit que tous les ports pour le root bridge désigné, ok, et le statut, il est donc il envoie ses forward, c'est bon. Et déjà la priorité, donc il s'est changé. Tout à l'heure, ok, d'accord. Donc, première question, c'est bon, ok. Donc, bien sûr, si on a des vilains, on ajoute la partie trunk, la partie, donc on configure affectation des ports, etc. OK, création de base, VTP, etc. Mais, donc maintenant, dans ce routeur. Non. Si on veut changer le speed ou le... Non, j'ai mentionné ça déjà. Mais... Donc, je vais faire quoi? Donc, tout d'abord, changer le nom. Donc, R1 access. Now, IP domain. Look A. Après, donc, je vais accéder à l'interface giga00. Donc, je vais l'activer. Et, je vais lui attribuer une adresse IP. La première, on va la donner avec le masque 240 et donc on figure le HSAP. Donc c'est standby 1. Donc version ici la version par défaut c'est version 2. C'est pour cette raison il ne donne pas la possibilité de changer la version. Donc je vais donner l'adresse. Il applique partout, ouais. Il va l'appliquer partout. Donc, mais ici, mais dans le pack tracer, par défaut, c'est la version 2. Ok. Donc, standby 1, IP, l'adresse du virtual router. Donc, oui. Ok. D'accord. Donc, ça reste quoi? Donc, on n'a pas dit. C'est quoi? Donc, c'est qui plutôt le routeur actif? OK? Ça va être ce routeur, le routeur actif. OK? Donc, je vais lui changer la priorité. Donc, est-ce que c'est lui qui a la plus grande priorité qui va être active ou la plus petite? La plus grande. Donc, on va changer la priorité pour qui? Pour ce routeur ou pour l'autre? Pour le routeur R1 axe. OK? Donc, standby 1. Après, priority. Et je vais lui donner, par exemple, 150. OK? Et pour qu'il prend en considération donc, l'opération effectuée, donc je vais lui dire prompt. OK? C'est bon, Olalé? Avec un autre protocole, c'est pas le HSLP. Pour le GLBB, et c'est pas sur le PAC-3, c'est sur le GNS. Ok. Et j'enregistre. Et je vais refaire les mêmes étapes. Je peux continuer, bien sûr, configurer les interfaces, etc. Juste pour faire la même opération, pour retenir les différentes étapes de HSAP. OK. Donc, je vais refaire les mêmes étapes, mais uniquement, ici, on a besoin de faire quoi ?
de configurer l'interface, de l'activer et après. C'est ça. Donc, juste, on mentionne l'adresse du vertier router. Donc, on accède à l'interface, on l'active, on la donne la deuxième adresse avec le masque. Après, bon, puisqu'on a effectué pour l'autre routeur, je vais répéter ici. Après, standby 1, IP et la même adresse de, bien sûr, virtual router. Ok? Non. Je vis. Au début, je lui ai donné l'adresse de l'interface. 1.1 ou l'autre 1.2. Déjà, regardez. Elle a changé d'état vers standby. Il t'a volé. Ok? Il a prompt la hache. Le prompt ou la priorité, on les ajoute uniquement dans le routeur actif. On les ajoute uniquement dans le routeur actif. Dans le routeur standby. On configure l'interface AD. Et on ajoute l'adresse donc, de virtual router. Uniquement ça. Et comme vous voyez déjà, il a changé d'état vers le standby. Et l'autre, donc c'est actif. Show. Regardez. D'accord. Donc, l'interface, elle est dans le routeur actif. J'ai commencé par lui donner la première adresse. Après, on a activé la version 2. On a donné l'adresse du routeur, de virtual router. On a changé de priorité to take effect. Le routeur actif. Désolée. Et le routeur actif, où il y a une priorité أكبر وباش إن هو دونك il change les rôles il prend les choses en main donc on a ajouté prompt donc prompt pour lui dire donc change maintenant effectue maintenant l'opération ok c'est bon non route شنو اللي فات سلام Elle est 631. B. Tout ça, c'est le même là. Cette interface, les deux appartiennent les deux au même réseau, au même là. C'est comme si on a un seul routeur et les switches. فهمتي ولا فهمتنيش معناها هذا ما لي دو روتور كاني ما هذه معناها ما فهمي الجمله كاني عندي انيكمون سو روتور لي بار سو سويتش اوكي داكور اون ا اجوتي دو زوتر روتور بور فير دونك لا ريدوندانس سي سو روتور طومب ان بان دونك اون اكسيد دونك اون في لو ترانسفير بار لوتر روتور اي دو ميم بور لو روتور اكتيف اكسيترا فهمت معناها هذا الكل Raho, c'est le même réseau local. C'est pour cette raison, dans ce même réseau local, on donne le routeur actif la première adresse au deuxième routeur la deuxième adresse. Ok? Donc ici, si je vais faire Chorani config, regardez. Donc, uniquement, on a configuré la deuxième adresse, on a activé la version 2 et donc on a donné l'adresse de virtual router. C'est bon? Qui a des questions? Ok? C'est bon? Donc je configure
les autres interfaces. Sérieux. Donc, le shutdown et je vais le donner 34. Ok, c'est bon. Trente-trois ici. On est 34. Ok. De même pour ce routeur. Je me donne le même routeur, j'effectue tout le travail, après je passe à l'autre routeur. Mais je suis en train de faire donc en parallèle chaque étape dans le routeur. Donc no shutdown. Et je vais donner ici. Donc, et ici, je vais changer parce qu'elle a donné deux cloques à ces deux routeurs. Et toi, voilà, on a deux cloques ici, donc je vais inverser. J'ai pris le travail de votre ami. Tant mieux. Ok, donc je vais répéter parce que j'ai changé d'interface. Now shutdown, IP addresses, et je vais lui donner 0.37. Ok. C'est bon? Donc, je vais configurer les deux interfaces sérielles ici. Ok, ben, donc les interfaces. Serial 0 sur 1 sur 0. Now shutdown. Et l'adresse IP, la première adresse IP. Je vais revenir au routeur R1 axe 2 pour lui donner le clock. On a oublié de faire ça. En train d'écrire. Et pendant le clock. Ok. Donc juste ça, je configure les interfaces. Ok. Mais juste, j'accède à cette interface pour ajouter le clock, pour que ce soit la même clock. Ok. Mais maintenant, ça reste quoi? Non. Donc après, donc ça nous reste le routage. D'accord? Puisque on n'a pas
d'autres zones, on a uniquement une zone unique ici. Donc, je vais configurer OSPF zone unique. OK? Donc, dans le premier routeur, donc, c'est routeur OSPF, par exemple 3. OK? Normalement, on doit configurer en avance loopback. Donc, interface loopback 1, IP adresse 1.1.1.1, n'importe quel masque. OK? Après, router SPF 3, router ID, et on donne donc l'adresse qu'on a déjà choisie pour loopback. Donc maintenant les différents networks. Donc 1.0 avec le masque 000.15 whisker passes et RIA 0. C'est bon? Et il nous reste ce network. Donc, point 32. 003. OK. C'est bon? Ben, aussi, on n'a pas passe. On configure passive interface. Giga. C'est bon? OK. On a dit qu'on configure les interfaces là. Comme passif. Donc, passif interface giga 00. OK? Oui. Et je vais afficher les configurations pour vérifier. Donc, c'est bon, l'adresse, loopback, l'adresse est juste. Et serial. C'est bon. L'OSPF, OK, les deux networks, passive interface, router ID, et c'est bon. D'accord? Donc, on passe au deuxième routeur et on va... Non? Oui, bien sûr. OK? Donc, on configure ça de même, loopback. OK, et router OSPF 3, router ID, et on a déjà passive interface, c'est pas important l'ordre, OK. Donc après network, donc 1.0 avec masque générique 0.15. Non, c'est pas .16. OK, .15, l'inverse du masque. Et le deuxième network qui est .36. C'est bon? Et je vais vérifier. C'est bon. OK? Donc, il nous reste ce routeur. Donc, de même, interface loopback, adresse IP, et on configure l'OSPF. Il ne faut pas donc se tromper au niveau du ID du process. Hein. Mais à chaque fois, on donne un numéro différent. C'est le même numéro. Donc, router ID. Et passe. Non, est-ce qu'on a besoin de passive interface? Non, parce qu'on n'a pas interface donc LAN. OK, on a uniquement deux séries. Donc, point 32.
est moins 36. C'est bon, déjà, elle a détecté donc un voisin, ok? Alors, le deuxième voisin, donc il a détecté deux voisins. Vous regardez ou non? Ok? Donc, il a regardé le voisin avec le route à l'ID 1 à 1 et le deuxième voisin avec le 2 à 2, ok? Donc, ce sont des signes que notre travail, donc, il est bien, il est correct, ok? Donc, j'enregistre et je vais vérifier quand même, donc, la configuration que j'ai effectué. C'est bon. Ok, d'accord. Donc, show IP route, pour vérifier table de routage, je peux vérifier uniquement les entrées au SPF. Donc, c'est bon. Elle a détecté deux networks. Plutôt un seul network, parce que ces deux networks, ils sont directement connectés. Et là, uniquement un seul réseau voisin à distance qui est ce réseau 1.0. C'est bon? Donc, pour ce routeur de même, déjà, elle a détecté le neighbor 3.3.3. Mais quand même, je vais vérifier table de routage. Donc, de même, donc, il va détecter ce réseau 32. OK, le réseau distant. Et pour ce routeur aussi, déjà, elle a détecté le voisin. OK, donc il va détecter le 36, c'est bon. Donc maintenant, si on va tester, donc ça doit marcher. D'accord? Donc, on a oublié quelque chose peut-être. Donc dans le même réseau, ça marche. Je peux même les interfaces. Les interfaces orange, mais elles ouais. C'est bon. Les interfaces sont orangées, mais elles n'ont pas convergé. Et tout en mollet. Donc écalé. Les interfaces n'ont pas convergé encore. Mais je teste vers les routeurs. Alors que successful. Juste. Et successful. Donc notre routage, c'est bon. Juste, je ne sais pas pour ces ports. Allez, je te plante un fil. Faut le ranger. Peut-être que ça prend du temps. Donc, quand on fait convergence, c'est juste ça. Donc, les ports sont rangés. Ok? Madame Z, il converge. Femme, je suis en train de question. C'est bon? Mais. بون خليه حتى لي كونفيرجي دونك نكونفيغوري لي تار شانل اوكي دونك بالنسبه لي تار شانل اون فا كونفيغوري دو تيب دو بروتوكول لاك بي و بي جي بي اوكي دونك في البي جي بي شنو هما لي مود اللي عندنا ديجا خلينا نبداو شويه بشويه اوني من 1 3 دونك donc interface range face internet de 1 à 3 donc on va faire donc quoi hein? Donc channel group ça n'a pas marché parce qu'on a deux commandes qui commencent par channel ok donc channel group
Donc le numéro de port c'est 1. Donc après je vais mot 1. Donc déjà ici il va nous aider. Donc il va nous dire que donc active c'est pour l'ACP, donc desirable c'est pour PHP. D'accord? Même si on a oublié, donc on peut utiliser point d'interrogation et ça nous affiche toutes les possibilités. OK? Donc ce n'est pas la peine de les apprendre par cœur. Donc on a besoin de PHP, donc on va choisir quoi? Desirable. OK? C'est bon? Ouais. Mais... Hein? Hey, auto c'est comme si passif, mais de l'autre côté vous devez mettre desirable, ok? Donc on peut mettre desirable ou desirable auto. Mais quoi d'autre? Donc quoi d'autre? Le trinque. Donc, mais on peut le faire. On trinque par le vilain 1. On trinque par le vilain 1. Bon. Interface port 1, à la place de mettre range, etc. Donc switch port, trinque. Donc, trinque quoi? Donc, tout d'abord, ça, c'est le mot trinque. Et ce n'est pas la même. Ce n'est pas la peine de mettre trinque natif vilain 1 parce qu'il va trinquer avec le vilain 1. Juste d'activer le trinque. Ok? Si c'était, par exemple, on a le cas de vilain 99, etc. Dans ce cas, donc on ajoute. On a par défaut le vilain 1. Regarde. On a par défaut le vilain 1. Ah. Le vilain 1, il est créé par défaut. D'accord? C'est bon? Alors, de l'autre côté, je vais répéter le même travail. Non, je vais continuer le PHP tout d'abord. Donc, les numéros de port de un, de l'autre switch. Ça n'a pas de. 3 à 5. OK. Donc, channel. Group. 1, mode, desirable ou autre. OK? Et face pour channel. 1, switch port, mode et track. OK? C'est bon? J'aurais dû n'y en a mal croche, je vais faire une cam. B. Là, je suis cher dans le même switch. Et des. Les Roma. Maintenant. Mais 6 ou 8. Focale. Hey, des. C'est le port 2. Mode. Acte. Et de même, si on a oublié, point d'interrogation, donc ça nous affiche. Donc, interface, port, channel 2, switch port, mode, et trunk. OK? Bien. Tawa. L'autre switch. Hein? Donc.
3, 5. Ok. 3, 5. Donc, à travers. En orange. Ok. Groupe 2. Mode actif. Ok. Ou passif, puisque dans l'autre côté, on a fait l'actif déjà. Et interface pour channel 2. Switch port. Mode train. C'est bon? Non. Interface. Range. Donc, 7 à 8. Donc, channel. Groupe 3. Mode. PHIV, donc, disable. Et exit. Interface. Port 3. Switch port. Mode. Et trunk. Sinon, je suis pas dit, il y a les affiches d'erreur. Ça n'a juste un camelot. Les hommes, c'est le 8. C'est le port 2. Vous c'est le port 1. Vous voyez, c'est le port 3. B. San. Shop. B. San. Port channel 1. عندك هنا مثل عندي زوز. عندي هذه ال 1 وهذا 3. جي انه هو هاك البور 1 هو اللي موجود في البور 1. هاك channel group 1. 2 انا موجود في ال 1. 3 في الان تفهم فيها ولا السيت والويت موجودين في 3 شنو لي كيفاش يفرق اي جي با كومبري لا كيسيون عاود لي عاود لي شنو تحب ها ما فهمتش Thank you.
دونك الفوت انه هو في الشوا نتاع لي بور معناها كي نحط هنا غلطين دونك نورمالمون نحط هنا من 1 3 فهمت دونك احذر كيفاش جت انه هو 1 و 2 من غير مود من غير حطينا ب 3 و 5 دونك هذا لازم ينصلح خاطر نورمالمون سا دو مارشي من غير حتى مشكله عاوك سامارش معنى المشكلة كانت في هذيك جوست نزيد توا الاخرين اللي هما كونفيغوري ديجا اوكي سي بون ديجا انا كومون j'ai constaté une femme erreur normalement هذا يولي ان سول بور وهذا ان سول بور وهذا ان سول بور لازم تطيح من لي دو بور نفسهم من نفس البلاصه لتو ولا لي اورانجي اوكي خاطر كوم سي هذه سافات اتر ان بور هذا ان بور وهذا ان بور اوكي فهمتوني ولا سي بون اوكي واضح دونك هذايا بالنسبة للسويتش هذا عملت كل شيء لا ليلي عملت اريا زيرو اي زون اونيك تو عملت